Vous allez bien? Ouais. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Mon nom, c'est Véka Metoy. Véka. Kametoy. Kametoy. Voilà. Si je te fais quelque chose, si je fuis, tu viens t'en aller moi ici. Ah, monsieur Kametoy. Voilà. J'ai une question pour vous. Ouais. Comme vous savez, actuellement, les femmes et les hommes se sont mis dans l'infidélité, dans les foyers, en fait. Pour vous, qu'est-ce qui pousse les femmes à être infidèles ou qu'est-ce qui pousse les hommes à être infidèles? Surtout les hommes, comme vous êtes hommes. Qu'est-ce qui peut vous pousser à être infidèles? Moi, ce qui me pousse, moi, c'est la religion, c'est le conseil, ce qu'on entend de parler à la religion là-bas, c'est ce qui me frappe dans ma tête. D'accord. Voilà. D'être fidèle. Et puis d'être fidèle, fidélité, alors là, il y a trop de maladies, trop de nyama-nyama. Donc, quand tu n'es pas fidèle, tu peux ramasser des maladies. Mais là, qu'est-ce qui pousse l'homme à être infidèle exactement? Je parle pour moi. Je suis homme, ou bien? Oui. Je ne connais pas pour les autres. Mais pour vous, qu'est-ce qui peut vous pousser à être infidèle? Moi, c'est ce que je dis. Je dis les conseils de nos églises. Ok. Voilà. Et avec les maladies qui sont sorties là. C'est ce qui m'a mis en terre. Sinon, avant moi. Dieu n'a qu'à nous aider. Dieu n'a qu'à nous aider. Voilà. Ah ouais, merci, mon frère. Merci.